l'histoire d'un rond, né dans un cercle, devenu bien droit car bien encadré, se transforme en rectangle dans ce milieu carré, rencontre quelques triangles mais sans trop d'intérêt. Le pavé évolue dans les ratures de la ville, là où y'a pas eu de compas pour tracer de jolies ellipses. L'avenir qui prend l'abscisse, on calcule la longueur, fait le tour du périmètre et se retrouve au point de départ. Trop de figures quelconques se multiplient ou se divisent, l'addition n'en finit pas, on frôle souvent les négatifs. Des bases solides, mais on va atteindre le sommet de la pyramide, voir en perspective l'ensemble de la géométrie. On était fort en maths et maintenant on dépasse pas le seuil. Trop de stylos rouges est venu défoncer la feuille. Trop de petites routes sont ouvertes à notre passage et le détour. Et puis toujours la meilleure source d'apprentissage. Arc, c'est facile, c'est quand la droite ouvre la ligne. L'angle se resserre et le tracé déborde en marche. Des montages à un bal qui ont toujours l'air pas très fini. Et pourtant j'y passe des nuits, j'en ai de l'eau, ça m'a la suite. Car je rêvais les yeux ouverts de délire plein de magie. Allongé dans le vide, façade de Broadway qui scintille. Projection intime face à un public attentif, non pas conquis, mais qui se questionne en bon critique. Oui, j'insiste, il s'agit de ne pas manquer de mérite. Pour faire un flop, y'a pas besoin d'autorisation de mérite. Et si la vie est un combat, une arène remplie d'athlètes, plan B c'est le labyrinthe pour ceux qui pensent avec la tête. Je préfère passer au plan B. Je te préviens, ça risque de t'effrayer un peu au début. Mais tu verras, on s'y habitue vite. Enfin, de quoi parles-tu? Oh non, c'est pas possible! C'est la fin! Oh non.